Actuellement, nous sommes à Chipchat. Nous venons tout juste d'inaugurer la nouvelle piste cyclable qui part du lac Saint-Jean, mais la portion qui traverse la municipalité de Jonquière. Une piste de toute beauté. Si vous ne l'avez pas essayé, allez-y, vous allez en prendre goût. Moi, c'est devenu ma piste favorite. Alors, je vous présente tout de suite une vidéo qui vous montre la qualité et la beauté de cette piste cyclable. La ville de Saguenay, dans le cadre d'un plan de développement de son réseau de pistes cyclables, a procédé à l'aménagement d'un nouveau segment qui relie dorénavant le Saguenay à la Véloroute des Bleuets. Une particularité géographique distingue ce nouveau segment d'avec la Véloroute. Il s'agit d'un horst. Le horst de Kenogami est une chaîne de collines entre les sous-régions du Saguenay et du lac Saint-Jean. Le réseau cyclable, le horst de Kenogami, associé à la Véloroute des Bleuets, permet d'offrir un lien cyclable de 72 km entre le lac Saint-Jean et le Saguenay. Débutant à Métabetchouane-Lac-à-la-Croix et passant par Héberville, il se termine sur le bord de la rivière Saguenay, dans l'arrondissement Jonquière. Ainsi, Saguenay compte maintenant 41 km de ce réseau sur son territoire. L'aménagement du réseau cyclable permet de relier le secteur Chipchat au reste du réseau jonquierois avec le nouveau service de navette maritime qui transportera les cyclistes entre les deux rives de la rivière Saguenay. La ville de Saguenay a reçu l'appui des gouvernements provincial et fédéral pour totaliser des investissements de 7,2 millions de dollars. Ces travaux ont permis d'aménager le nouveau secteur de la rivière au sable où Saguenay a obtenu la cession d'une bande de terrain afin de relier Chipchat au réseau et d'améliorer la voie cyclable des quartiers des Peintres, des Anglais, Dubose, Petite-France, la Coulée-Joule, le secteur des Mouettes, la voie ferroviaire de la rivière au sable, le secteur du camping Jonquière et la route des Bâtisseurs. C'est un rendez-vous. Venez découvrir le Saguenay et le lac Saint-Jean à vélo cet été. Ville Saguenay, 10 ans au service du citoyen.